Libération va se faire, les amis. Et je vais laisser la parole à Camille. Qui a un micro? Oui, bonjour. J'ai un micro. Maintenant, on m'entend. Donc on peut m'entendre dire des bêtises. On peut m'entendre dire à tout le monde que je vous remercie beaucoup, vous spectateurs, d'avoir vachement encouragé tous les cosplayers qui sont là. Merci beaucoup. Le jugement qu'on a rendu, qu'on va rendre dans quelques petites secondes, a été maintes fois réfléchi. Vraiment, on a pris toute. En fait, depuis qu'on a quitté les chaises jusque là maintenant, on n'a fait que discuter à savoir qui allait où en termes de classement. Et si jamais un cosplayer ou même quelqu'un du public a envie de nous faire une remarque, de nous poser des questions ou quoi que ce soit par rapport au classement, encore une fois, n'oubliez pas, on est toujours là, on peut toujours discuter avec vous, on peut toujours tout vous dire. Okay. En gros, je traduis, le bureau des plaintes, c'est là-bas. C'est tout. Je suis là pour ça. Ouvert quand tu veux, c'est au pire, si je suis pas là, quand tu me demandes, il y a internet, WhatsApp. Tu as son numéro, tu peux lui laisser des messages sur son téléphone. J'ai pas aimé ton classement, c'est bisous. C'est grave, Insta, WhatsApp, tout ce que tu veux. Je crois que j'ai encore mon caramel, tu vois, donc pas de problème. Alors, du coup, pour rappel des lots qui sont mis en jeu, le troisième lot, c'est 150€ en bon d'achat à dépenser ici. Le deuxième lot, c'est une Switch OLED avec le jeu vidéo Zelda, mais je ne sais plus lequel parce que j'ai une mémoire de poisson. Alors c'est simple, sur la Switch, il y en a deux. Il y a Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Eh bien, c'est un des deux. Voilà. Un des deux. Et la première personne au podium va remporter un week-end Harry Potter à Londres. Oh oh. Voilà. Pour plus de précision, vous pourrez demander à monsieur qui est là. Moi j'ai une question. On peut participer maintenant pour le cosplay, pour le voyage ou pas? Non. Ah d'accord. Je vois moi un cosplay. Tu fais un cosplay de moi? Ça fonctionne pas. Il est mal fait ton cosplay de toi. Tu ressembles à toi, mais il y a des défauts. Ouais, il y a des défauts. Tu savais. Alors, je sors le papier. Voilà. Oui, mon petit bout de papier était caché dans mon... Voilà. Mon épaule. Alors, notre jugement a été basé à 50% sur le costume. La qualité, les finitions, si ça ressemble bien à un personnage, tout ça. Et 50% sur la prestation, s'il y a eu une bonne ambiance, si la personne était bien précise dans ses mouvements, si le public a apprécié, si... Voilà, c'est tout collé à l'ambiance. Du coup, on va commencer par notre troisième position. Tiens, je te laisse. En troisième position, Tifa et Claude. Un peu de bien voir, s'il vous plaît. Tifa et Claude qui ont fait le fantasy. Troisième place. Du coup, ils ont gagné 150€ au bon d'achat à dépenser dans la Cause Geek. C'est ça? On va parler, toi et moi, on va s'acheter des choses. On ne peut pas savoir quoi. Je voulais que des posters, moi. Oui, mais te connaissant. Waouh! Ça tire à pas aussi. Bon, est-ce que vous voulez savoir qui a remporté la deuxième place? Ouais! Putain, incroyable, vous êtes plus au taquet que le public de Paris Manga, quoi. Alors vous êtes moins nombreux, franchement bien joué. On a plus de voix. Deuxième position, est-ce qu'on fait un petit roulement de tambour, un petit... Anastasie et Javotte de Saint-Léon. Les deux pains de neige, les deux pains de neige. Très bien fait les pains. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on aime. Ouais. J'étais super mal à l'aise quand elles sont venues me voir tout à l'heure en jury là. Oh là là. Vous faites très bien le malaise. Ouais. Quand vous êtes battu devant nous, voilà, ça c'est très malaisant, ouais, non? Mais du coup, vous avez réussi, vous avez gagné une Switch OLED avec le jeu vidéo Zelda, je ne sais plus quelle version. Voilà, parfait.
Alors ce qui est drôle du coup, c'est que Lucas Chouffeux... Ouais. Elle est juste là. Ah voilà. Yay, monsieur l'organisateur. L'organisateur de la cause geek va venir en personne pour okay. venir. J'ai reconnu le jeu. C'est Tears of the Kingdom. C'est bon. Ouais. C'est pas vrai, ça, Noël. Si vous passez, il n'y en a pas d'autres. Donc, il y en a une qui a la souris. Moi, l'autre, il y a le jeu. Il y en a une qui a les manettes, l'autre elle a l'écran et le voilà. jeu. Bon, du coup, vous voulez ou vous voulez pas avoir... Deux petites secondes. Précisons que le nom numéro 2 a été offert par l'espace culturel Leclerc. Leclerc, là-bas, là. Coucou les copains. Ouais 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 ouais. C'est bon, c'est bon t'es plus merci puni. Beaucoup. T'es plus puni. Je suis plus puni. Je suis plus en mute. Ok, d'accord. je peux dire maintenant au public qui c'est le premier prix. Est-ce que vous voulez savoir le premier prix ouais ouais. Je ne parle pas le prix. T'es sûr, moi j'ai cru non. Est-ce que vous voulez savoir ou pas le premier prix? Ah là j'ai entendu. Moi non, je suis sûr. Alors laissez-moi revérifier que je ne dis pas une bêtise. Parce que comme je vous ai dit, mémoire, poisson, tout ça, tout ça. Du coup, premier prix va être remis à une personne en solo. La personne en solo, c'est... Roulement de tambour. Sakura de Scarcaptor Sakura. Elle a gardé le chapeau. Alors, je ne sais pas où il est physiquement. Alors, physiquement, je peux te donner un bon... imagine... Voilà. Il n'est pas beau, le bon imaginaire. Un bon imaginaire qui est trop beau, t'as vu. Les couleurs de l'imagination, je sais pas ce que ça veut dire. L'imagination. Voilà, c'est ça. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé au concours cosplay. Merci beaucoup à tous les participants. Si vous avez des questions par rapport au jugement, il n'y a aucun problème, vous venez nous voir. Et si on n'est pas là-bas, on stade, tout ça, il n'y a pas de problème. Pour tous les participants au concours, merci d'avoir participé. Vraiment, on vous aime très fort. On vous aime tellement fort qu'on vous a filé des petits... Il y a des petits lots qui sont prêts pour vous là-bas. Il faut juste aller voir Monsieur Chauve Barbu, mon mari. Monsieur Chauve Barbu, mon mari. Michel, accessoirement. Voilà, du coup, merci beaucoup. Si vous voulez passer une dernière fois sur scène pour faire des photos... C'est Monsieur Ramounet. Il vient de donner ici. Vous allez passer par des photos, c'est maintenant. Voilà, il y a une personne qui... Allez les cosplayers, on repousse. Dès le coucou, on y va. Faites attention parce que tout à l'heure, on a déjà eu un peu en jouant sur scène. Pas plus, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, ça voulait mettre la musique, moi. Allez, Dès le coucou. Applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Alors moi, je propose que à trois, ils fassent n'importe quoi sur scène. Attention, un, deux, trois, n'importe quoi. Ouais, coucou. Arrêtez de dire que c'est ma fille. On va nous faire n'importe quoi. Super rétro les chatons. Et maintenant que c'est fini. Viens, je me fais plaisir. Encore une fois, merci à tous les cosplayers d'avoir participé au concours cette année.